Les électeurs nigériens choisiront un nouveau président pour succéder à Muhammadu Buhari le 25 février prochain. La participation aux élections nigériennes est généralement faible, mais les élections de 2023 continuent à mobiliser davantage de personnes à voter, en particulier des jeunes. Youth of Nigeria can no longer be the Les jeunes nigérians ne peuvent plus tolérer d'être réduits en silence. C'est pour cela que nous manifesterons massivement pour débarrasser notre gouvernement de ses anciens dignitaires. Croyez-moi, ils ne nous représenteront plus. Je manifesterai encore et encore pour faire valoir la justice. Les choses au Nigeria vont finir par changer. À force de militer, on finira par obtenir notre juste droit. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que l'exercice d'un an qui s'est achevé le 31 juillet dernier a enregistré plus de 10 millions de nouveaux électeurs, avec 84% âgés de 34 ans et moins. Les analystes politiques affirment que les difficultés économiques du pays, caractérisées par une inflation à deux chiffres, ainsi que l'insécurité croissante, pourraient pousser davantage de personnes à voter. Mais il y a une autre raison, selon ces professeurs d'université. Dans cette élection de 2023, la jeunesse a commencé à voir qu'il y a les politiciens qui sont dans la scène, qui peuvent faire une différence significative dans la vie sociale et économique du pays. Et c'est pourquoi il y a cette volonté. Lors des dernières élections de 2019, il y avait 84 millions d'électeurs inscrits au total, selon les chiffres de la CENI. Le mouvement Obedient, mené par un ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Peter Obi, a excité un grand nombre de jeunes après avoir rejoint un petit parti d'opposition, le Parti travailliste. Il est en avance sur les autres politiciens. Je crois qu'il est le plus apte à comprendre les rouages de notre économie. Il demeure mon candidat favori et saura remédier aux grands problèmes de notre pays, incapacité à produire, doublée d'une forte consommation. Riche homme d'affaires, économiste, Peter Obi est devenu une force puissante avant l'élection présidentielle de février prochain dans un pays qui semble toujours à la recherche d'un messie pour résoudre ses innombrables problèmes.